peu quand même qu'il y ait des jeunes femmes qui communiquent, parce que chez nous, les jeunes femmes se projettent, c'est des études en psychologie sociale qui voient ça, se projettent moins dans des carrières de scientifiques parce qu'il y a des stéréotypes qui menacent leur idée, l'idée qu'elles se font de leur avenir professionnel. Et donc, il faut essayer de briser un petit peu, de contrer ces stéréotypes. Donc la proximité est très importante. Proximité, conscience qu'on peut le faire. L'affect et la motivation. Ça, en prenant beaucoup d'études et en regardant les études vraiment sérieusement d'un point de vue psychologique sur la vulgarisation scientifique, l'affect est quelque chose que pudiquement on met de côté, on n'en parle pas trop, mais pourtant, ça joue vraiment beaucoup. Vous avez là une déclaration d'un enseignant d'une ville qui se trouve pas loin de Dijon, qui avait dit « Nous avons de plus en plus de mal. » Donc voilà, les enfants avaient conscience d'un monde qu'ils ne soupçonnaient pas. Et puis, il parle de lui en tant qu'enseignant et qu'il a beaucoup de mal à faire passer dans le quotidien de notre enseignement le plaisir d'apprendre et de chercher, la joie de la découverte et la satisfaction de la connaissance. Et il a retrouvé dans une visite, dans une rencontre avec des jeunes chercheurs, ce contact, cette fraîcheur-là, et aussi quelque chose qui est très important, qui est presque l'enjeu pédagogique principal de l'expérimentarium, qui est la conscience du fait que la connaissance ne sert pas qu'à l'intérieur de l'école. Souvent, s'il y a des gens qui font des maths, l'enseignement en mathématiques, moi j'ai démarré par là, et souvent on me demande à quoi ça sert. Et on peut rencontrer un géographe ou quelqu'un qui travaille en sciences de la santé et qui va faire des études épidémiologiques et qui va utiliser des statistiques. Or, pour un élève, chez nous et au collège ou au lycée, faire des maths, des dérivés, des statistiques, à quoi ça sert ? Ça sert à avoir une bonne note pour être dans les bons et puis passer l'année suivante. Mais ça sert. C'est très difficile pour les enseignants de dire « mais si, ça sert à d'autres choses, etc. » Là, il aura rencontré quelqu'un qui travaille en sciences de la santé, qui travaille en géographie, qui travaille sur les tableaux urbains et qui utilise des graphiques, des données. Et donc, la connaissance des ponts peuvent se faire entre ce qu'ils apprennent à l'école et quelque chose d'extérieur qui a un sens dans la société et qui surtout est incarné par une personne qui a un projet. Et ça, de fait, il peut aussi se créer une empathie qui sert à la motivation. Il y a une étude qui est sortie sur le fait que des jeunes filles, le fait simplement d'avoir rencontré une chercheuse durant leur scolarité, une fois seulement, ça a augmenté leur possibilité de leur orientation vers des carrières scientifiques. C'est pour ça que les chercheuses L'Oréal c'est important. Elle le fait souvent. Voilà, conscience de l'existence. Voilà, l'empathie, c'est pas forcément. La chercheuse est à gauche, c'est une historienne. Et c'est pas que avec les enfants. Et puis la sympathie, j'aime bien ce mot parce que sympathie, ça a un sens lointain qui veut dire souffrir avec. Et en fait, finalement, on voit des chercheurs qui disent « Ah ben allez madame, allez-y ». Et ça, c'est des choses qui jouent et qui participent de part et d'autre à la motivation pour rencontrer l'autre. Donc sympathie, vous voyez sur le marché, ce qui peut se passer entre les chercheurs et les gens. Ça se voit dans les regards. Voilà aussi, des enfants et des jeunes. Satisfaction. Alors là, je vais passer aux enjeux pour les chercheurs. Donc vous imaginez que sympathie, souffrir avec, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir un retour de personnes. Voilà, on est tout seul dans notre recherche, ça ne marche pas, on peut être isolé, ça dépend des matières. Hein. Et puis d'avoir des gens qui nous disent « Ah, allez-y, c'est bien, j'ai compris, hein, mais c'est important en fait. » Voilà, il y a une certaine satisfaction. Voilà, une chercheuse qui avait un petit peu du mal dans la recherche, j'ai adoré les écrevisses, et en fait, elle était très très contente, et ça a beaucoup joué. On ne le remarque pas seulement à l'expérimentarium. Dans ma thèse, j'ai repris beaucoup d'études sur les chercheurs depuis les années 70 et je cherchais dans les verbatims des choses sur les effets et j'ai trouvé beaucoup de choses sur la conscience, l'estime de son travail et notamment ce physicien qui est en 95 disait voilà,
nous remet sur les choses essentielles, c'est moins mondain, ça nous remet sur les choses essentielles et ça nous remotive, rebooste. C'est ce cœur de la recherche qui nous donne, qui nous redonne du cœur à l'ouvrage. Et ça donne aussi, voilà, ce que disait une chercheuse sur Facebook, vous voyez, j'ai retenu. Alors, moi, qu'est-ce qui a déclenché mon envie, pour les personnes qui sont arrivées en retard, je suis plutôt médiateur scientifique, et puis j'ai eu envie de faire une recherche, et vous allez voir, c'est ce genre de message qui m'a donné envie de faire une recherche. Donc vous voyez au téléphone, que c'est assez ancien, hein, les smartphones n'existaient pas encore. Et en fait, j'ai voulu explorer ça. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue cognitif? Est-ce que le fait de parler à l'autre, ça peut faire... Ah mais oui, disons... Même en préparant, finalement. En préparant, il y a un travail de clarification à faire qui peut, finalement, clarifier pour éclairer. Donc je cherchais ça, j'ai trouvé des choses, hein. L'idée c'est pas de dire, vous faites de la vulgarisation, évidemment vous allez devenir bien meilleur, trouver beaucoup plus d'idées, etc. Mais ça peut exister, et justement nous en tant qu'organisateurs de rencontres, c'est ce qu'on cherche aussi, que les chercheurs s'enrichissent et puissent finalement s'éclairer sur leur recherche, la voir autrement et pourquoi pas trouver des idées. Donc c'est une ouverture pour les chercheurs. Voilà, par exemple, une journée d'entraînement, je vous en parlais, là c'était en Guyane. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent lors de ces journées d'entraînement. Une ouverture qui fait que, ah ben t'es super bon en statistique, dis un docteur à un autre, est-ce que tu peux pas m'aider? Et il y a des publics communes et des choses qui ne se seraient pas faites s'il n'y avait pas eu des programmes d'ouverture de vulgarisation scientifique. Le réconfort, pour moi c'est vraiment la chose la plus qui n'était jamais dite dans des études et que j'ai trouvé donc dans ma thèse. Je vous montre même quelques verbatimes que j'ai trouvés. Ça rend la recherche plus conviviale. On dit souvent que la thèse est comme une grossesse. Et bien pour moi, l'expérimental, c'est comme la péridurale, ça rend le travail plus douloureux. Là, j'ai aussi des... Et remotivation pour la recherche. On parlait ensemble de Cédric Villani tout à l'heure. J'avais interviewé Cédric Villani, le mathématicien, je lui avais dit, mais la vulgarisation... pour vous, qu'est-ce que c'est? Et il m'avait dit, ça me donne du cœur à l'ouvrage. Et j'ai testé ça, c'est-à-dire que j'ai demandé à des personnes qui avaient fait beaucoup de vulgarisation, une semaine après, retour au laboratoire, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous? Je l'ai fait aussi même en 2015 avec des gens qui avaient fait ma thèse en 190. Et donc, pour l'expérimentarium, rebooster. Et vous l'avez vu dans le film, ça y est, j'ai fait tout l'après-midi, Marie, dans le film que j'ai montré tout à l'heure, je suis reboosté pour sa recherche. Donc vous imaginez quand parfois certains directeurs de laboratoire, peuvent dire, mais qu'est-ce que tu vas aller perdre ton temps? C'est pas forcément perdre son temps. Si on le fait bien, si on y réfléchit, si on parle de sa recherche, ça peut être enrichissant, voire même ça peut rebooster. Donc voilà. Mais j'allais un petit peu expliquer ce qui peut participer de la remotivation pour moi. Et puis je vais bientôt finir. Donc si vous voulez quelques références, on a eu des études réalisées par le CIM sur les motivations et compétences des jeunes chercheurs en la médiation, vulgarisation. Voilà, donc on trouve sur ce site internet de le CIM. Et puis j'ai résumé ici, les enjeux possibles, en reprenant un petit peu les grands enjeux que je vous avais donnés au début, plutôt donnés par les institutions, instruire, etc. Ce qui peut se passer lors d'une rencontre entre des chercheurs et des gens. Voilà, je pense que... On peut retrouver, c'est d'autres mots, hein, mais... Et puis on peut en ajouter aussi, hein. Ça ne veut pas dire que quand on rencontre des gens, ils se jouent tout seuls. Et on peut penser à tous et tous. Voilà, j'ai terminé et j'espère qu'il nous reste un petit peu de temps parce que je suis très intéressé par vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Joseph.
Très bien, donc le débat est ouvert. Le débat est ouvert sans complexe aucun. Vous avez devant vous un chercheur chez Grenier, mais un jeune docteur. Ah oui, oui, oui. Il était doctorant comme vous l'année dernière, d'accord. Donc, on va vous demander juste une chose, vous vous présentez au niveau de votre thématique de recherche. D'accord. C'est juste pour situer un peu la nature des questions que vous posez. Éventuellement, si vous avez une expérience dans la bien. Vous pouvez raconter aussi. D'accord. On va désigner un peu les premiers. Moi, ouais. Voilà. On a toujours recours à toi. Elle fait partie du comité Mathès en 180 secondes. C'est pour ça. Là, on peut parler d'autres programmes aussi. Hein. Bonjour, je suis Noa Baïla, étudiante de la faculté des sciences de Laval. Je demande sur l'étude des propriétés électriques, électroniques et optiques des matériaux organiques et manuels pour l'exploitation du végétalisme. J'ai participé au concours de ma thèse en 180 secondes. Donc, c'était une très bonne expérience, une très belle expérience. J'ai appris beaucoup de choses, comme parler devant le public, comme regarder des sans sujets. Vous savez très bien, quand il s'agit d'un sujet, que ce soit dans la thématique physique ou bien biologie, je m'intéresse à des symboles. C'est pas facile d'expliquer ça à un public qui ne contient pas des spéciales. Donc, pour moi, j'ai présenté mon concept, j'ai essayé de plus d'arriver avec l'encadrement de la tête, bien sûr. Bien sûr, maintenant je suis capable de parler sur le sujet, de nous, par exemple, des enfants, de leur expliquer pourquoi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je. Il y a une doctorante qui a posé une question tout à l'heure sur comment vulgariser son sujet sur la santé aux étudiants. Donc je pense qu'il faut utiliser des exemples, bien des métaphores, de raconter une histoire, comme ça on peut transmettre le message plus facilement. L'intervention me fait penser à dans les logiques de rencontre qui sont dans ce que nous on appelle le paradigme de la communication, qu'on appelle la science en train de se faire. Donc on parle de ce qui se passe dans la science et non pas de la science froide, toute faite. Donc c'est un peu différent de l'alphabétisation. Dans l'alphabétisation, on essaie de comprendre les concepts. Donc là, on parle de la science en train de se faire. En fait, les phases explicatives ne sont que certaines phases du dialogue de la rencontre. Ça, c'est important pour nous, de dire, voilà, c'est pas seulement je vais expliquer. Parce qu'on se rend compte que quand les gens ne sont pas dans une situation où ils n'ont pas forcément un intérêt à ce moment-là à apprendre, ils peuvent être perdus. C'est un petit peu classique, si on est à quelqu'un qui parle, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? On ne sait plus. Donc, les explications, finalement, ce ne sont que des courts moments de la rencontre, où il se joue de l'affect, où il se joue de... On montre les objets, où il se joue des moments où le chercheur se tait. Ça, c'est très important. On entraîne les chercheurs parfois à se taire. Et puis, je vais vous dire aussi une anecdote, c'est que... j'ai commencé dans la vulgarisation au Palais de la Découverte, donc à Paris, où on a des médiateurs qui présentent des présentations de 30 minutes sur l'air liquide, sur les dinosaures, sur la communication animale, etc. Alors il y en avait qui étaient très bons, qui faisaient des petites blagues, qui amenaient l'air liquide, qui amenaient les gens et tout. Et puis il y en a un, je passais très souvent, et à chaque fois, il se trompait au même moment. Donc je me suis dit, là, il y a quand même un hasard qui... c'est quand même très peu probable. Et en fait, il le faisait exprès.
Et en fait, quand les gens se trompaient, ben les gens venaient vers lui. J'ai parlé d'empathie, sympathie, et du coup participaient. En fait, c'est très malin. Il faisait exprès ce truc. Donc, et ça, c'est un conseil que je donne aux doctorants. À des moments, vous voyez, c'est quand même assez, on ne le verrait pas dans un manuel, ça. Ben de, ou, ah, en fait, j'en étais où? Ou, ah, tiens, mais ça, et hop, dire quelque chose de faux, pour voir, ah, mais tiens, vous avez vu. Donc, c'est des relations humaines. Ça peut être dangereux de donner des recettes sur les relations humaines, hein, ça peut faire manipulation, mais on a des petites astuces, et pour discuter comme ça. Et comment on veut faire quand on veut... Donc, je ne réponds souvent pas trop aux questions comment je dois faire pour vulgariser la paléontologie, ou comment je dois faire pour vulgariser les mathématiques, etc. C'est d'y réfléchir, c'est les fameuses 2 heures de rencontre, c'est d'en parler, c'est déjà soi-même de mettre en récit, faire de l'introspection, de penser à son vécu, et puis c'est comme ça qu'on tricote quelque chose qui sera humain, en fait. Bonjour, déjà, c'est Yota Kano, de la faculté de sciences, département de mathématiques. Donc, je fais une thèse sur la modélisation mathématique et statistique de changement, de l'effet du changement climatique sur les ressources hydriques en Maroc. Ça, c'est mon sujet de thèse, à part. Donc, j'aimerais juste parler d'un petit point, à part, la vulgarisation que vous proposez là, il y a d'autres moyens de vulgarisation que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur Internet. Donc, il y a des blogs déjà que des doctorants ont créés sur Internet qui sont intéressants. Et il y a aussi d'autres moyens de communication qui permettent de décomplexer un petit peu. C'est comme, je cite notamment en particulier, il y a une bande dessinée qui est parue en 2015, ça s'appelle Carnet de tête, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça permet vraiment de décomplexer. Et ça dit aux doctorants qu'on n'est pas tout seul au monde et qu'on n'est pas seul à mener sa recherche. On pouvait garder des... Alors... Effectivement, ce que j'ai fait est assez dangereux parce que j'ai parlé des enjeux de la vulgarisation à partir d'un seul exemple. Mais c'était pour faire quelque chose d'incarné, donc l'exemple de l'expérimentaire, de dialogue. Mais on peut trouver les mêmes enjeux, les mêmes problématiques dans des chercheurs qui aident des gens à faire des expositions. Il y a des chercheurs qui font du stand-up, du théâtre. Il y a des visites de différents lieux, de lieux historiques où il y a des chercheurs qui participent. Vraiment, dans le champ de la culture scientifique est vraiment très, très dense. Et souvent, ce qu'on conseille, c'est que vous pouvez, c'est par aussi par intérêt, par affect, si vous connaissez des gens qui sont bons en dessin, ou si même vous-même vous êtes bon en dessin, c'est souvent bien de s'associer, en fait. La thèse en BD, là, on a j'ai lu beaucoup les BD de Chloé, chercheuse, qui a soutenu sa thèse en 2018, j'ai fait une petite chronique radio sur elle, parce que c'est quelqu'un qui avait du mal, qui galérait, etc. Et là, elle a fait un buzz il y a 3 semaines, et sa recherche, c'est sur le chagrin d'amour chez les poissons. C'est signé à elle, et c'est devenu, c'est passé partout. C'était dans les éditions La Tête au Carré, il y a plus de 150 CNN, New York Times. Donc c'est la première mise en évidence d'une émotion chez un poisson. Et ça, c'est assez important. Alors, ils sont un peu dire, hein, c'est bizarre, etc. Et là, vous avez, finalement, on avait fait une BD sur Chloé. Tout ça pour dire que des fois, ça peut. Les gens qui communiquent bien peuvent arriver à son labo extrêmement contents de ce genre de choses. Et parfois, on dit des gens qui disent oui, parce que lui, il fait de la vulgarisation, il fait plus trop de science et tout. Ça, c'est faux. Il y a Pablo Jensen qui a montré que académiquement, si on prend les H-factors, tous les indices académiques de représentent académiquement qualité, etc., des chercheurs, ils sont corrélés avec l'activité de vulgarisation. Donc la version vulgarisée de la recherche de Pablo Jensen, c'est les chercheurs qui vulgarisent le plus sont aussi les meilleurs académiquement. Donc on dit, des fois, il y aurait des fois quelques idées reçues qui circulent aussi dans les milieux scientifiques.
Voilà, une chercheuse comme Chloé, elle faisait beaucoup de vulgarisation et c'est quelqu'un de très ouverte. Ça lui a permis d'avoir des idées qui n'étaient pas conventionnelles et qui ont été gagnantes. Et donc, oui, il y a YouTube. Moi, ce que je conseille, c'est l'association, c'est en parler, c'est faire des choses aussi, voilà, qui vous... Vraiment, faites des choses qui vous enrichissent, vous. Aussi. Et alors... Dans les documents que je vais laisser, la lettre de Leslie, qui est une revue qui paraît tous les deux mois sur la communication scientifique et aussi le muséal, on a réalisé un article sur les à côté des formations doctorales. Donc, c'est ce qui joue dans les formations doctorales. Celui-là, il est sous embargo, on le trouvera encore sur Internet, donc il est là. Et puis, là, un autre sur l'engagement aussi dans le bulletin d'Amstie. Donc, c'est des publications que je laisse. Voilà, quelques références. Et vraiment, les références scientifiques, c'est Public Understanding of Science qui paraît régulièrement avec. Donc là, c'est une revue internationale sur la communication publique des sciences. Je me présente, je suis Madame Malik Moula, je suis professionnelle de santé, en même temps je suis doctorante à la faculté de médecine et de la pharmacie, sciences de vie et de la santé, et mon travail de recherche elle porte sur l'intégration des fondements théoriques dans les théories de soins dans la prise en charge du cancer du sein. Sincèrement, la vulgarisation, ça on le fait, mais c'était un peu sélectif parce que là, on fait la vulgarisation auprès de notre entourage et auprès des personnes qu'on sent qu'ils sont intéressés par le sujet. Donc, on avait la crainte de vulgariser auprès des personnes qui n'ont pas une connaissance. Donc là, on pensait que ça ne va pas leur intéresser. Mais après votre présentation, je pense que c'est une expérience qui est très imminente parce que là, ça donne envie de s'ouvrir sur d'autres catégories de public cible avec lesquels on peut partager et ça peut avoir une valeur ajoutée sur le travail de recherche. Ma question, c'est que votre expérience, elle a été faite auprès de plusieurs instances, mais vous ne pensez pas que introduire cette expérience dans un programme de santé en collaboration, en partenariat avec votre ministère d'enseignement ou de formation pour toucher plus d'écoles, plus de public cible, ça ne va pas être une chose qui est un peu ponctuelle et plus formalisée que d'organiser des manifestations comme ça annuellement, mais parfois qui peut ne pas toucher tout le monde. Hein. Merci. Imaginez finalement un programme récurrent de rencontres entre des professionnels et... Des écoliers, des lycéens. Oui. Dans le cadre de l'expérimentarium, il y a un fonctionnement assez récurrent en fait. Après, on se heurte à de la logistique, c'est-à-dire d'avoir des gens.